de la production. J'y participe activement parce que je pense qu'il y a une réelle chance pour nous qui n'avons pas d'association qui offre ce type de prestations sur Arles. Et je pense que c'est bien, on sort, on découvre de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, on apprend à se connaître. En fait, c'est une réelle famille, les artistes arlésiens. C'est pas qu'une association, genre toi tu fais ci, toi, bon, c'est bon. Non, c'est une association, plutôt tu montres à ton confrère, tu vois. Même si tu le connais pas, tu sais pas c'est qui, au final tu finiras par vraiment t'entendre bien avec lui et tout, travailler, mettre des projets en commun, construire un truc. Et peut-être un avenir, qui sait, peut-être travailler dans le cinéma un jour, hein, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un court-métrage de prévu pour 2017? Oui, normalement on est à un court-métrage par trimestre, c'est-à-dire 4 par année. Si on peut, si on voit qu'on est prêt, on est bon, on va augmenter la cadence, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Un premier thème, une première idée à nous faire parvenir? Oui, on a un premier sujet sur lequel on va parler, enfin sur lequel on a déjà parlé, on a fait une réunion. C'est la justice par rapport à une expérience réelle d'un adhérent de l'association. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. On va essayer de. Voilà, on va le réaliser, le produire, le peaufiner, tout ce qu'il faut. Petit message pour les gens qui sont ici, qui peuvent être intéressés. Intéressé, on n'est pas intéressé. Il faut venir pour voir la chose. On n'est pas intéressé par exemple par un gâteau tant qu'on ne l'a pas goûté. Hein? Alors, quand c'est bon, eh bien, on remange. Eh c'est pareil, les artistes arlésiens, il faut venir voir ce qui se passe. Et vous allez rester avec nous, j'en suis sûr. Moi, j'ai la dalle, j'ai faim.